Bienvenue à l'aventure sans limite. On est marre, il fait que de me dire ça va être plat et c'est jamais plat. Nous avons devant nous la grande montée. C'est l'heure de ma mort. Non mais il y a encore de la montée. Ouais, ça va être nouveau. Quelle idée, mais quelle idée. J'ai failli mourir. Les amis, la fin est dure. C'est une vidéo? Non. Ah. Si. La fin est dure. Et bah bonjour tout le monde et re-bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait longtemps, il y a un truc qui me pique le pied. Pourquoi tu as arrêté YouTube? J'en avais marre. J'ai commencé en 2013 les vidéos, et on est en 2022, donc bah, 9 ans de vidéos, ça fait long, et j'en ai eu marre au bout d'un moment. Mais là, j'ai des gros objectifs, donc je me suis dit que partager tout ça, ce serait quand même plutôt cool. Les dernières vidéos que j'ai faites, elles datent de ma première. Donc j'ai passé ma première, j'ai fait une terminale générale, où j'ai passé le bac en contrôle continu, merci le Covid, et j'ai eu mention bien, et est-ce qu'il y avait autre chose? J'ai eu 19 au grand oral, les gars. En vrai, ça paraît plus long que ce que ce n'est. C'est que je viens? Il n'y est pas. Je regrette certains de mes choix de vie quand même. Il y a des choses, tu vois. Abuse, c'est trop beau. Maman, papa, si celle-ci est la dernière vidéo que vous voyez, merci pour les chaussettes. Merci pour les massages. Les chaussettes. Merci pour les bons plats. Des bisous. Puis voilà, c'est la fin du lycée, quoi. On s'est pris le Covid au lycée, donc c'était... C'était sympatoche, mais je me suis fait des bons amis. 400, viens dans le plan. Viens montrer ta tête. Il est timide. Ça, c'est 4 ans. C'est la personne, c'est l'homme qui monte cette vidéo. Mais ouais, ça va être long. Ça va être long à monter parce que je suis une personne chiante. je voulais pas dire chiant, mais bon, tu le dis. C'était sympa le lycée. Ouais, c'était cool. En vrai, la fin, le déconfinement de la fin, c'était cool. Ouais. Les derniers mois de terminale étaient rigolos. Ouais. On a bien rigolé. On n'a pas trop taffé. Le bac de philo, il est sorti au bout d'une heure, je l'ai vu passer dans le couloir, je l'ai suivi. Je voulais prendre une bière avec des potes, c'est tout. Donc voilà, c'est la fin du lycée, et puis... Et puis après, qu'est-ce qu'il y a eu après? Après, il y a eu la merde, après. Après le bac, tout a changé. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ok. Maya, on arrive au-delà de la montée. Ok, oui. Ok, partie technique. On descend. Oula. Avec une bière dans la main, parce que j'en ai ouvert deux sans faire exprès. Masse alors. Et sauf que là, on descend de très raide. Oh non. Oh la tente. Oh la tente. Prends la tente. Attends, je vais prendre la tente, t'inquiète. Non, j'ai pas de main pour prendre la tente. C'est bien cette randonnée? Bah écoutez, on a des bières, on perd la tente, et bientôt je perds Antoine. Attends. Maya qui fait ses lacets. Ah non. Ok, on est bon, reparti. Allez, oui. Attends, ça pique au cul. Allez. Oh, avec quoi je suis tombé moi? Avec quoi? Ah bah les copains, on est presque arrivés, c'est bientôt le moment de vous raconter ce que j'ai fait de ma vie après le bac. Allez, let's go! Tu dis comment cette première aventure de ta longue vie? Ah, l'année va être longue. Arrivé les copains. Les copains, nous sommes arrivés. Vous avez 4 ans qui monte la tente et moi qui ne fais rien. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Maya, elle est en train d'essayer de gonfler son truc. Elle n'y arrive pas.
Ça me fume de rire. Ça va, Maya, t'y arrives? Je dors sans. Baiser avec le soleil. Sympathique. Ça, c'est mignon pour un pique-nique. Il y a pire que nous. Trop bon et trop beau. Comme moi. Ok, maintenant que le soleil s'est couché. C'est l'heure de l'interview. Alors, que s'est-il passé après le lycée? Après le lycée, on a passé un bête d'été. Tout partait très bien. Parcoursup, j'ai eu l'école que je voulais. J'étais à l'EDEC à Lille. C'était l'école que je voulais depuis la seconde au lycée. J'ai passé le TOEFL, j'ai tout fait et j'étais admise. J'étais très 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 contente. J'ai déménagé à Lille, j'ai eu mon appart et j'ai commencé les cours. Je n'ai fait que des soirées. Et continuer les études, c'était pas la bonne solution, ça me plaisait pas, j'aimais pas particulièrement l'atmosphère dans laquelle j'étais. Et juste, j'avais envie de vivre un peu pour de vrai et de faire autre chose et de pas rester à faire des études qui ne m'intéressaient pas particulièrement. On va pas se mentir, la compta, c'est pas mon truc. Donc j'ai arrêté en janvier l'école avec l'accord de mes parents quand même, faut pas rigoler. Donc je me suis mise à travailler à Lille en restauration et en même temps en garde d'enfants et en même temps je continuais de donner des cours d'anglais, ce que je fais depuis 2 ans maintenant. Donc en gros je gagnais plutôt bien par mois et mes parents continuent de payer derrière le logement et mes dépenses. Donc en gros j'ai pu économiser tous ces salaires pour les mettre de côté avec pour objectif de partir faire un petit tour du monde. Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui de retour sur YouTube. Bon les amis, c'est l'heure du coucher de soleil. Je n'arrive pas à porter. Elle est pas lourde en plus. J'aime juste pas de muscles, ok. Alors du coup, une fois que mon aventure lilloise s'est terminée, je me suis envolée vers le Kenya en Afrique avec une amie à moi qui s'appelle Eléa et on a fait 3 semaines de volontariat dans une école pour enfants défavorisés. C'est une expérience incroyable. Il y a une vidéo qui va sortir bientôt où vous allez un peu voir plein d'images de cette aventure humaine qui était juste incroyable. On en a pris plein les yeux, plein le cœur. Donc c'était le premier pays dans mon périple et ensuite je pars en septembre pour faire un mini tour du monde entre l'Asie et l'Amérique latine. Voilà, donc je ne sais pas quand je rentre, je prends un billet sans retour et la vie me dira le reste. T'inquiète, là la voiture, là-bas. Les amis, nous sommes perdus. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Les amis, ce que vous avez raté aussi, c'est que j'ai eu le permis. Et j'ai eu la voiture. Donc ça, c'est plutôt cool aussi.